Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs, sous Télé l'Église. Vous pouvez suivre l'émission qui c'est Bible en main. Nous faisons chaque samedi, 9h PM. C'est Maestro David Desrosiers et avec moi, des pasteurs qui sont prêts pour commencer avec l'étude nous faisons chaque samedi. Pasteur Loubert, nous avons introduit Kounyala, nous sommes capables de commencer avec l'étude. C'était le salut, Pasteur Loubert. Allez-y. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, fidèles auditrices, auditeurs de Télé l'Église, moi salue nous tous en nom de Jésus. Et c'est un plaisir pour moi, jeudi, pour moi capable de terminer l'année ensemble avec nous dans l'intervention ça, et qui stipule comme ça et la marche chrétienne et mon bilan au regard de la Bible, la marche chrétienne et mon bilan au regard de la Bible. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est une habitude au niveau des entreprises et c'est une habitude au niveau des institutions en fin d'année pour être capable de procéder à des bilans. Donc, pour y voir comment l'entreprise travaille et est-ce que y fait profit ou pas, qui ça qui était moment côté y a fait plus l'argent, y a marché plus bien et qui côté y a péché. Et ça vient permettre que au niveau de l'entreprise, eh bien, y a gardé comment santé. N'est-ce pas côté santé financière entreprise là, n'est-ce pas comment santé entreprise là liée. Donc est-ce que entreprise là en bonne santé ou est-ce que entreprise là c'est une entreprise qui est malade? Donc quelle que soit institution, quelle que soit entreprise là, li toujours n'est-ce pas et by tête li la peine pour li informer-li, n'est-ce pas, de état entreprise là. Donc, gain de bilan qui kon positif, gain de bilan tout qui kon négatif. Et nan niveau politique, nous rendons compte tout, yo kon et fait bilan. Gouvernement yo kon fait bilan. Puis ouais, qui ça qui te marché? Qui ça qui pas marché? Donc c'est certain dans quelques pays gen moun k'ap di que gouvernement ça a marché bien, li régler affaire population li, donc li prend soin citoyen li. Et c'est comme ça tout, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ça qu'on rive que gen des séries de moun qui dit gouvernement ça yo pa fait rien pour nous. Nous étions dans la crasse, nous étions dans la misère, pas de sécurité, et bien, peuple a mouru, etc. Donc, bilan contre négatif. Donc, il est toujours bon, mais bien aimé, pour nous connaître, n'est-ce pas, et qui côté nous garde, qui côté nous y est, dans qui point nous y est, dans le fonctionnement entreprise là, est-ce qu'il est en santé, est-ce qu'il est en santé. La Bible, mais bien aimé, est l'aune. La Bible est l'aune par laquelle un chrétien peut évaluer sa marche avec Dieu. La Bible dit comment doit se comporter un chrétien. Elle nous instruit en ce qui concerne, n'est-ce pas, le standard de vie qu'un chrétien doit viser pendant son pèlerinage sur la terre. Dans sa marche avec Dieu, tout croyant doit évaluer sa vie par rapport à au moins 4 éléments, dont la croissance spirituelle, la sanctification, la prière et l'évangélisation des âmes perdues. Mes frères et mes chers bien-aimés, dans quatre bagages, ça y est, que le monde a dû évaluer tête par rapport à eux-mêmes
Eh bien, première, c'est la croissance spirituelle. Mais nous sommes capables de mettre le tout comme la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Connaissance Seigneur noir. C'est un bagage fondamental, mes frères et mes soeurs bien-aimés, pour nous connaître à qui est-ce nous en a fait. Amen. Qui est-ce Jésus y est? Qui ça l'itévin fait? En effet, la parole de Dieu nous dit clairement que Jésus, il est Dieu qui, n'est-ce pas, qui s'est fait chair. Jésus-Christ, c'est Dieu qui te prend forme yon moun. Et en tant que Dieu qui vient prendre forme moun, li vient révéler nous sur la terre la vraie nature de Dieu, le vrai caractère de Dieu. Tout ça ou joine dans Jésus, ou joine dans Dieu. Tout Jean Jésus vive, c'est comme ça bon Dieu vive. Donc li vient exactement vient montrer nous comment bon Dieu est. Et il y a des bagailles où tu es pensé sous mon Dieu. Il y a des perceptions où tu es gagné de mon Dieu. Et le rappelé Nouveau Ancien Testament, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Dans le Nouveau Testament, pendant Jésus vient vivre dans mitan nous, eh bien, il y a des perceptions qui doivent changer par rapport à mon Dieu. Et au fur et à mesure que nous avons entré dans l'intervention, nous avons relaté quelques perceptions. Nous t'es capable de gagner de bon Dieu. Et puis, lorsque Jésus vient sur la terre, eh bien, j'en te vive, n'est-ce pas, fait nous, ouais, bagaille là, clé. Très bien. Dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, le monde te connaît bon Dieu, mais c'était sous une forme d'ombre. Ou pas de connaître vrai, ou pas de connaître bon Dieu dans toute réalité, li. Ou t'es, ouais, image là, ou Jean flou. Jean prophète, yo, t'es qu'on a décrit bon Dieu. Et ça, ça que t'es qu'on a privé, yo t'es qu'on a dit que c'est à bon, c'est bon Dieu qui a fait quelque bagaille. Mais lorsque Jésus vient, eh bien Jésus vient dit, n'est-ce pas? Lorsque il y a vive, il est toujours à reprendre apôtre, il est à reprendre pharisien, yo. Eh bien, yo vient faire face, n'est-ce pas? Yo vient faire face à un Jésus qui a metté en question, n'est-ce pas? La vie, yo, marche devant mon Dieu. Et c'est ça qui fait, je dis à mes frères et mes soeurs bien-aimés, premier élément, nous apprenons, qui doit un standard pour tout chrétien, n'est-ce pas? Et sous cause de connaissance, hein? Connaissance Jésus-Christ, n'est-ce pas? Que nous voyons que son bagage qui est fondamental. Donc, dans 1 Timothée chapitre 2, puisque nous avons une émission Bible en mai, mes frères et mes soeurs bien-aimés, on nous garde ça, 1 Timothée 2, verset 4 dit nous. 1 Timothée 2, verset 4 dit nous comme ça que bon Dieu voulait que tout le monde sauvé. Bon Dieu voulait que tout le monde sauvé. Et c'est pour yon vini, c'est pour yon connu, n'est-ce pas? C'est pour yon connu la vérité. Il voulait que moun yon doit sauver, c'est ça bon Dieu voulait. Et c'est pour yon gagner. N'est-ce pas la connaissance de la vérité? Après le ou fin sauvé, après le ou fin tant des paroles, bon Dieu, après le ou fin tant des paroles, n'est-ce pas l'évangile là, Jésus-Christ mourir, ressuscité, n'est-ce pas, c'est pour mettre confiance au nom lui pour que la vie éternelle là, de pour fin croire, n'est-ce pas, non, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, comme bon la vie éternelle là, eh bien, ou bien la vie éternelle, de vous te faire bon Dieu confiance, de vous te faire Jésus confiance, non, œuvre sacrificielle liée. Mais mes frères et mes soeurs bien-aimés, après, c'est pas pour croiser bras, après, n'est-ce pas, c'est pour chercher qu'on est moun sa qui sauve ou là. Donc, ça veut dire que c'est pour qu'on est Jésus. Et c'est un devoir pour tout chrétien. Après le fin sauvé, pour le chercher qu'on est, qui est Jésus-Yé.
Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous prenons gagner une idée plus ou moins claire non, à partir de 2 Pierre chapitre 3, verset 18. 2 Pierre 3, verset 18, n'est-ce pas? Apôtre Pierre pral dit, croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre Pierre, clair, il dit, faut que nous grandissions dans la grâce-là. Et, faut que, n'est-ce pas, elle dit, faut que nous grandissions dans la grâce-là, nous avons et, n'est-ce pas, qui c'est une conjonction de coordination, mais le mot grec, généralement, qui traduit ea, c'est kai. Kai. Et là, ils ont utilisé le mot kai là, n'est-ce pas, li souvent vle dit, et même toujours vle dit, n'est-ce pas, en c'est-à-dire. L'apôtre Paul dit comme ça, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livre dit, croissez dans la grâce, c'est-à-dire dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, fin sauvé à ce youn, qu'on est Jésus à ces deux. Le wap cherche qu'on est Jésus, le wap étudie parole bon Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, la permet que Christ forme dans la vie ou. La permettre que Christ grandit dans la vie ou, parce que plus ou connaît Jésus, c'est plus ou ap gen maturité, c'est plus ou ap grandit dans la grâce. Mes frères et mes soeurs bien-aimés. Dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 et 12, apôtre Paul, avec mon Éphésiens, pral dit comme ça, après Jésus fin ressuscité, et avant que l'il était monté dans le ciel, n'est-ce pas? Eh bien, qui ça l'était fait? Il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pour qui ça, mes frères et mes soeurs bien-aimés, de tout don de personnes, ça y est? Eh bien, c'est pour le perfectionnement des saints. Qu'un chrétien pas appelé pour yo capable rete gens ou te convertir. Qu'un chrétien n'est pas appelé pour yo vin croiser bras yo dans l'évangile, dans l'église. Faut-il bien que moun nan, n'est-ce pas, li médite parole bon Dieu? Faut-il bien que moun nan, n'est-ce pas, li nourri par la parole de Dieu? Parce que apôtre Pierre pral dit ça tout mes frères et mes soeurs bien-aimés. C'est pour nous capables de prendre, n'est-ce pas, le lait spirituel, n'est-ce pas, le lait de la parole, n'est-ce pas, le lait pur. Eh bien, il dit que parole, bon Dieu, ya, c'est ça lié. Et qui ça va prendre dans le lait pur, ça? Eh bien, c'est chercher qu'on est qui est Jésus. Parce que chercher qu'on est qui est Jésus est extrêmement important, puisque il est modèle nous, puisque il est le monde que nous avons suivre. Eh bien, nous devons connaître qui est lié. Et à travers qui ça nous a connaître, mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est à travers les saintes écritures, c'est à travers la parole. Depuis Genèse, rivé dans Apocalypse, il a parlé nous de Jésus. Depuis dans Genèse, rivé dans Apocalypse, n'est-ce pas, Jésus, dans la Bible, eh bien, c'est pour nous capables de diviser droitement la parole. N'est-ce pas, de vérité. Diviser droitement veut dire quoi, mes frères et mes soeurs bien-aimés? C'est prendre chaque livre, retirer Jésus la donne. Prends Genèse, retirer Jésus la donne. Prends Exode, retirer Jésus la donne. Quel que soit livre ou appli, n'est-ce pas, dans la Bible, ou retirer Jésus la donne pour garder qui caractère mon Dieu à travers Jésus-Christ pour capable qui est Jésus-Christ. Et pour capable bien copier sur lui. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, faut nous grandir lorsque nous fin convertis, c'est pour nous grandir. Donc ça veut dire que faut nous étudier la parole. C'est pour nous participer dans l'église, nous c'est extrêmement important, c'est pour nous participer, n'est-ce pas, dans étude biblique qui fait dans l'église nous.
c'est pour nous-mêmes, nous gagner un plan de lecture, pour nous méditer parole, bon Dieu, pour nous capables grandir. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est une nourriture pour nous. La parole de Dieu, c'est lui-même, n'est-ce pas, qui est capable de faire grandir de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Apôtre, disons, l'auteur de l'épître aux Hébreux, t'as pas gagné un problème avec des chrétiens, avec des juifs qui viennent convertir. Yo gèlè te gen pile temps depuis yo converti, mais yo pas grandi. Apôtre, disons, serviteur après dit, vous qui devriez être des maîtres, vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Nous pas capable prendre nourriture solide. Et ça arrive, oui, mes frères et mes chers bien-aimés, même dans l'église, nous, yo. Il y a des gens qui ont 20 ans convertis, mais ils ont été sèches, ils ont été pauvres parce que ils n'ont pas enseigné, parce que ils n'ont pas pris temps pour être capable d'étudier la parole de Dieu. Ils n'ont pas pris temps pour aller dans l'étude biblique. Et nous, on a gagné une paresse, la caille chrétienne, mes frères et mes chers bien-aimés. Presque toute l'église nous a passé. N'a pas remarqué lorsque gen étude biblique moun pa gen temps lorsque yo ta supposé prendre temps pour étudier parole bon Dieu yo pa gen temps et comment on fait grandir si on pa prend temps pour étudier la parole comment on fait connait qui est Jésus si on pa prend temps pour étudier la parole et mes amis c'est un ennemi oui qui fait ça faut nous bay tête nous n'est-ce pas faut nous dit tête nous ça oui c'est un ennemi qui pa vle nous connait comment pour nous manier l'épée de l'esprit. C'est un esprit, n'est-ce pas? C'est un mauvais esprit qui fait nous la caille nous pour ne pas aller dans l'étude biblique. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous pas convertis pour nous arriver, pour nous rester l'église là, pour nous pas progresser, pour nous pas avancer, pour nous pas grandir. Donc, il faut que nous grandissions spirituellement et c'est ça nous relève croissance de la grâce. C'est ça nous relève croissance dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans Éphésiens 1er verset 18, apôtre Paul t'a prié pour les chrétiens d'Éphèse et il dit que mon Dieu est capable d'illuminer yeux cœur nous pour que nous connaît qui ça? Connaît quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, faut qu'on qui ça ou ab juif, faut qu'on qui ça ou doit juif, faut qu'on qui ça bon Dieu mette en dépôt comme bénédiction spirituelle dans la vie ou faut qu'on ait qui tout ça ou doit juif et là où qu'on est Seigneur, là qu'on est frères et sœurs, tout ça bon Dieu capable. Tout ça, bon Dieu, mettez-nous en dépôt dans la vie, eh bien, leur vivre, ou apprendre exactement leur prier, qui sont commandés, qui ne sont pas commandés, pour qu'arrêter la volonté, bon Dieu. Donc, c'est pour bon Dieu illuminer nous-mêmes, Captain Demla, mes frères et mes soeurs bien-aimés, les yeux de votre cœur, pour que nous connaissions, n'est-ce pas, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et qui richesse infinie que lui réserver pour nous et pour capable connaître bagaille ça mes frères et mes chers bien-aimés c'est dans la Bible c'est dans parole bon Dieu pour être c'est étudier pour étudier mes frères et mes chers bien-aimés et nous capable dans partie ça et finir avec texte ça dans 1 Jean chapitre 5 verset 13 1 Jean chapitre 5 verset 13 apôtre Paul dit Apôtre Jean dit parole sa yo, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, parole bon Dieu a écrit pour nous connaître nous la vie éternelle, nous-mêmes qui croyons dans Jésus. Et non seulement ça, il a écrit tout pour nous capables de grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Question pour nous aujourd'hui, à mes frères et mes soeurs bien-aimés. En cette fin d'année, sur une échelle de 0 à 10,
donne une note à ta vie par rapport à ce que tu connais de Jésus. Bay tête ou yon note de 0 à 10. Sous ça qui concernait, n'est-ce pas, ça doit connaître sous Jésus-Christ. Certainement, ou doit gagner 5 ans de vous convertir, ou doit gagner 10 ans de vous convertir, ou doit gagner 30 ans de vous convertir. Dites tout, qui sont qu'on est de Jésus? Et bien, tête ou yon note de 0 à 10. Est-ce que c'est 2 ou fait? Est-ce que c'est 5 ou fait? Est-ce que c'est 9 ou fait? Moi, pas qu'on est. Question, c'est pour vous-même, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Deuxième élément que brièvement que nous apprenons et ou capable d'évaluer tête ou à partir de lui, mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est la sanctification de nos vies. Dans cause sanctification, ça, moi apprends un seul texte. Un texte qui est très clair. N'est-ce pas? C'est 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 à 7. D'abord, c'est pour me dire, nous, de qui sanctification les questions là? Gagnez d'abord la sanctification de l'esprit ou qui déjà fait. L'esprit ou déjà parfait en Jésus-Christ. Le jour de votre conversion, premier côté Jésus purifié, premier côté sans Jésus purifié, c'est l'esprit. La parole de Dieu nous dit, mes frères et mes soeurs bien-aimés, Jésus lui retire péché. Jésus abolit péché, n'est-ce pas? Dans relation que l'esprit, n'est-ce pas, doit gagner avec mon Dieu. Dans relation avec mon Dieu, péché pas entravé encore. Peut-être qui ça, mes frères et mes soeurs bien-aimés? Parce que Jésus ôté péché. Parce que Jésus abolit péché. Et lorsque mon Dieu, lorsqu'on est en relation avec mon Dieu, eh bien, Jésus vient entre nous-mêmes et lui-même. Et ça vient faire que mon Dieu n'a pas de problème avec vous encore, ou réconcilié avec mon Dieu à cause du sacrifice de Jésus. Et à cause de travail ça, il fait dans l'esprit. Bon Dieu, power, n'est-ce pas? Li power directement, mais li ouer à travers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas? Li rend parfait l'esprit ou devant mon Dieu. Et bon Dieu, n'est-ce pas? Power défaut dans ou encore. Li power défaut dans l'esprit ou. Et c'est ça qui fait réconciliation possible. Et c'est ça qui fait tout, mes frères et mes soeurs bien-aimés. La Bible dit, pas gagner aucune condamnation au monde qui n'a Jésus. Parce que bon Dieu pas condamné nous, bon Dieu pas condamné nous, parce que c'est lui-même qui a justifié. Et apôtre Paul te dit bagay sa yo. Maintenant, sanctification que nous a parlé là, c'est lui-même qui censé responsable récompense nous. N'est-ce pas? C'est l'irresponsable récompense nous. C'est lui-même m'a pris. C'est la sanctification progressive. C'est la sanctification expérimentale. Apôtre Paul, très bien présenté nous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3 à 7. Parole mon Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. C'est que chacun de vous n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, premier bagage, apôtre Paul dit, c'est pour, n'est-ce pas, c'est pour pas la corps dans péché. C'est pour pas dans impudicité. C'est pour pas dans adultère. C'est pas pour dans fornication. Premier bagage, une sanctification dans vie ou, n'est-ce pas, mes frères et mes soeurs bien-aimés, pour corps ou, eh bien, c'est abstenir de l'impudicité, c'est abstenir de la débauche. Et mot grec qui est utilisé là, pour débauche là, c'est porneia. Dans le mot porneia, ou est impureté sexuelle, ou est pornographie, ou est tout bagaille ça. Et deuxième bagaille, il pral dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Et le mot corps ici, n'est-ce pas, et c'est pas soma,
généralement que nous utilisons pour corps en grec, n'est-ce pas? Le mot corps ici dit traduit par skeros en grec, qui signifie sexe faible, donc qui référait à femme. Donc ça veut dire que nous-mêmes garçons, faut que nous connaissions pour nous prendre femme dans de bonnes conditions. Ça veut dire que vous capable avec une fille, c'est pour pas connaître avant mariage, n'est-ce pas? C'est pour conserver, c'est pour prendre fille selon le Seigneur pour capable vivre ensemble avec lui. Donc non seulement faut pas l'en débauche, mais si on choisit une femme pour vivre ensemble avec lui, faut choisir lui selon le Seigneur. Faut que c'est un monde qui est dans le Seigneur lié, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et troisième bagaille là, c'est pour pas cupide. C'est pour pas cupide parce que la parole de Dieu nous dit la cupidité est une idolâtrie. Donc c'est pas pour aimer comme non point pour faire mauvais deal. C'est pas pour aimer comme non point que pour voler. C'est pour pas aimer comme non point pour faire magouille avec l'argent. N'est-ce pas? C'est pas pour non point pour faire vendre bagaille à 300%, 400%. C'est pour faire business, mais faut honnête, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Donc ça, il fait partie de la sanctification, n'est-ce pas, de la sanctification progressive ou bien expérimentale. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans ce sens-là, apôtre Paul dit un bagage qui clair. Il te dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, n'est-ce pas, comme mort, n'est-ce pas? Donc, il dit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ça veut dire qu'on connaît. Le roi vit dans la sanctification pour Québécois, pour ne pas perdre de récompense. Parce que vous avez une récompense qui est attachée à l'effort à faire pour être dans la sanctification, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Question pour vous dans la partie ça. Sur une échelle de 0 à 10, baille-tête-ou une note, n'est-ce pas? Baille-tête-ou une note, baille la vie ou une note en ce qui concerne ta vie de sanctification. Gardez bien pour pendant année qui est fort et fait, qui côté tombé et arrivé dans point nous arriver là, ba était tout une note. On pas connait sous fait 5, sous fait 10, sous fait 8. Mais tant pis, ba était tout une note. Ba était tout une note. Et ça a fait connait mes frères et mes sœurs bien-aimés qui gens pour mener bakou dans année 2024 là, si ouais ou t'es tombé plusieurs fois. N'est-ce pas? Notre sous-sanctification li baisse en pile pour qu'elle remonte li en 2024, n'est-ce pas? Et en basier, bon Dieu nous a servi. Troisième élément, mes frères et mes soeurs bien-aimés, et qui c'est li important tout pour nous capables de mesurer la vie nous par rapport à lui-même, c'est une vie constante de prière. Une vie constante de prière. Ou qu'on ait une vie chrétienne passant la prière. Yon chrétien qui parle la prière, c'est pas un chrétien qui a vivre. Un chrétien qui parle la prière, c'est pas un chrétien qui a porté victoire. N'est-ce pas? Sous épreuve, sous problème, sous tête chargée. Un chrétien qui parle la prière, c'est un chrétien qui est impuissant, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et c'est ça qui fait parole, bon Dieu, lui inviter un chrétien, leur fin converti, leur abgoumé, n'est-ce pas, pour capable vivre de la sanctification, eh bien, il faut qu'on mène une vie de prière. Dans Philippiens 4, verset 6, mes frères et mes soeurs bien-aimés, Philippiens 4, verset 6, apôtre Paul après dit chrétien Philippio, mes bien-aimés, il dit comme ça, et ne vous inquiétez donc de rien, ne vous inquiétez donc de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est claire. Dans toute situation où nous vivons, toujours fait bon Dieu connaître ça nos besoins. Ce n'est pas parce que bon Dieu pas connaît ça nos besoins à l'avance. Non, la parole de Dieu nous dit que bon Dieu connaît à l'avance. Mais il est toujours bon pour capable qu'il y ait contact avec papa. Pour capable qu'il y ait contact avec papa pour impliquer dans tout ça que vous vivez, dans besoin particulièrement pour montrer que vous dépendez de lui, faut toujours mander en fonction de besoin. Et mes bien-aimés, mander en fonction de besoin ou des fois faut qu'on aller jusqu'à supplier lui.
C'est pas seulement rete jodi a ou di Seigneur, m'ai besoin manger. Seigneur, m'ai besoin rad. Seigneur, m'ai besoin machine et pour pas j'aime prier pour yo toujours. Non, c'est pour continuer la prière tout autant pour qu'on joigne son besoin, c'est pour continuer, c'est pour insister dans la prière mes frères et mes sœurs bien-aimés. Et c'est ça qui garantit ou une vie de prière constante, une vie, n'est-ce pas, de prière sans qu'on pas lâcher. Donc, et en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et avec des actions de grâce. Et apôtre Paul, avec chrétien Thessalonikio, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il va dire nous, priez sans cesse. Priez sans jamais se relâcher. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, une vie de prière, li souhaitable, n'est-ce pas? Et c'est une obligation pour chaque chrétien qui veut mener une vie de victoire devant bon Dieu, n'est-ce pas? Une vie de victoire dans le monde ça, qui c'est un monde qui est extrêmement difficile. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, après le apôtre Paul a fait nous relater dans Éphésiens chapitre 6, n'est-ce pas? Lorsque il fait nous relater les armes spirituelles que nous devons gagner pour nous capables d'assurer victoire dans toute bagaille, mes bien-aimés, dans verset 18 là, Éphésiens 6 verset 18, il dit nous faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La prière est toujours un rendez-vous. La prière est toujours une obligation pour les chrétiens. Ou prier pour tête ou pour besoin. Ou prier pour l'autre monde tout. Pour mon Dieu capable toujours assister. Pour la vie capable, n'est-ce pas, toujours en progression, n'est-ce pas, dans le monde là et devant Dieu, mon Dieu. Faut prier pour monde. Faut prier pour tête ou, faut prier pour gouvernement yo, faut prier pour autorité yo. La vie d'un chrétien doit toujours une vie de prière. Et lorsqu'on prie, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il y a un bagage qui est toujours important pour mettre accent sur lui. La foi. La foi, mes bien-aimés. Et là, nous sommes capables de faire une intervention sur la foi seulement. Mais m'a dit où un bagage. La foi. C'est l'expression de l'autorité de l'homme. La foi, c'est l'expression de l'autorité de l'homme. Et nous t'avons ça avec le centenier, lorsqu'il t'a rencontré avec Jésus, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Il dit Jésus comme ça, Jésus prend la caille, Jésus dit bon, la caille, il dit nous pas besoin de la caille, moi. Et pour le dire Jésus, que moi comprends le principe d'autorité, n'est-ce pas? Dis seulement une parole. Parce que moi-même, je suis soldat sous l'autre, si je dis aller, je vais aller. S'il dit vini, la vini. Donc, ça veut dire que, principe autorité, ya. Tout ça que bon Dieu mettait en bas, doit obéir avec vous. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, bon Dieu, ben nous, autorité, li assujetti à nous-mêmes, le monde, la terre, à tout ça que la donne. N'en point rien ou besoin sur la terre pour pas gagner. Et parce que bon Dieu, bon autorité sur la terre, ou doit commander. Ou doit commander la terre pour obéir avec vous. N'en point rien ou capable besoin comme ou capable besoin résoudre comme problème, n'est-ce pas? Maladie par exemple, est-ce que Jésus-Christ pas dit, n'est-ce pas? Mais ça qui a pas accompagné monde qui croit yo nan nom, n'a chassé démon en bas ou gen autorité sur lui, nan nom n'a guéri maladie en bas, parce que tout ça qui en bas li doit obéir à vèl. Et c'est ça le principe la foi. Et c'est là que la parole de bon Dieu dit, n'est-ce pas, Jésus qui dit, si tu vis à cette montagne, déplacé, à jeter ta tête dans la mer, là pour obéir, parce que les choses de ce monde, n'est-ce pas, yo assujetti à nous-mêmes, et si nous commandons yo, n'est-ce pas, y a obéi ensemble avec nous. La foi, les plus concernés dans la prière nous, pour ça nous devons recevoir le bon Dieu. Parce que bon Dieu, bon, nous tout bagaille déjà, mes frères et mes soeurs bien-aimés. C'est la foi pour nous recevoir qui est important. C'est un coup, bon Dieu, mettez dans la banque pour nous, tout ça nous besoin. Mais pour capable jouer une bagaille ça, c'est pour aller recevoir la banque là. Imaginez-nous comme ça, et puis, nous connaissons une vie de prière, n'est-ce pas, une vie de prière et intense et qui victorieuse. Mes frères et mes soeurs bien-aimés,
en cette fin d'année, sur une échelle de 0 à 10, donne une note à ta vie en ce qui concerne ta vie de prière. Est-ce qu'on prie assez? Est-ce qu'on sont qui négligent? Est-ce qu'on sont monde qui pas prier presque? Est-ce qu'on sont monde qui prie une fois? Est-ce qu'on gon cellule de prière la caillou? C'est vous qui connaît. Bay tête une note. Et pour nous finir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, dernier bagaille là, c'est l'exercice d'une vie axée sur la passion des âmes. Évangélisation. Mot d'ordre là clé. Bon Dieu dit, c'est pas Jésus te dit allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Nous gagnons responsabilité pour nous aller par tout le monde pour nous prêcher, pour nous capables de dire l'autre yo, ça Jésus fait pour nous, il fait pour yo tout et pour nous prêcher yo l'évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 20 à 23 mes frères et mes sœurs bien-aimés, apôtre Paul donne un exemple là. Comment il était intéressé à saluer l'autre monde yo, il dédoubler lui, n'est-ce pas? Dans 20 à 23 1 Corinthiens 9 il dit avec les Juifs, j'étais comme juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même, n'est-ce pas, sous la loi. Il dit avec, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin de sauver de toute façon quelques-uns. En mouvement, apôtre Paul de Guéyéan, est-ce que nous gagnons le Kounia pour nous prêcher l'évangile à moun qui pas qu'on sauve, mes frères et mes soeurs bien-aimés? Est-ce que vous mettez tout la peine pour évangéliser tout partout que vous passez? Dans la journée, je dis, combien de monde nous a présenté l'évangile? Combien de monde n'a pas converti? Et puis chaque jour, vous regardez dans les yeux, ou pas prêcher, ou pas présenter l'évangile. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, c'est une obligation pour nous prêcher l'évangile. Et apôtre Paul, il dit ça, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Il dit comme ça que, malheur à lui-même, s'il pas prêcher l'évangile. Il dit, si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, en cette fin d'année, sur une échelle de 0 à 10, baissez une note en ce qui a trait à l'évangélisation des âmes perdues. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous sortis à travers l'intervention ça, ouais, avec qui l'on nous capables de mesurer la vie nous sous Tessa pendant le pèlerinage nous sous lit. Nous, ouais, clé, faut qu'on connaisse Jésus à profil converti. Faut qu'on connaisse Jésus, faut mener une vie sanctifiée, faut mener une vie de prière. Il faut engager vous dans la voie de l'évangélisation des perdus. Qui note au bas de tête en cette fin d'année? Réfléchis sur ça. Que bon Dieu bénisse. Très bien, pasteur Ali Loubert, pour le monde qui fait entrer là, ou sous Télé l'Église, et vous suivez l'émission nous, qui c'est Bible en main. Et présentateur nous, c'est pasteur Ali Loubert depuis Première Église Baptiste de la Réunion Port-au-Prince. Et nous recevons très très bien, nous remercions pour ça. Et nous avons dit tout le monde, nous passons dans la phase côté, nous pourrons poser des questions ou bien nous pourrons partager ensemble. C'est très très bien ça parce que nous connaissons, nous aimons partir ça pour nous commencer nous-mêmes parler tout et au lieu pour nous attendre seulement. Pasteur Loubert, c'est très bien. Je vais demander à Mounio pour retirer sous silence. Commencer à retirer sous silence. Et puis, depuis, on dit allô, je vais attendre. Et puis, tout de suite, il y a capable de parler. Et pour les gens qui sont sur téléléglise.com, il y a capable de juste aller dans l'adresse. Là, côté dit Bible Study.
y a capable mettre et puis présenter y a tomber directement dans champ de discussion côté nous kounya là parce que nous avons pour participer ensemble avec nous pour le partager un dialogue entre moi-même avec vous. Pasteur Ali nous t'a écouté avec beaucoup d'attention et ou énoncé quatre grands points pour comment vous connaître tout ou bien pour connaître soit marcher ou bien pour connaître ouvert regard ou bien pour connaître pour aller est-ce que tu fais bac ou bien est-ce que tu vas avant pour dire que gagner connaître Jésus ou bien connaître la parole ça c'est une bagaille. Ça veut dire que si 2021, ça me déconne, 2022 à 2023, je ne connais plus, ce sont, et comme si je ne vais pas avancer, c'est ça. Ou pas avancer. Ou pas avancer. Le deuxième point, c'est ta. La sanctification. La sanctification, c'est le deuxième grand point encore. Il faut qu'on reste dans la sanctification. Tout à fait. Très, très bien, tout à fait. Et troisième, non, c'est rester dans la prière parce que la Bible a dit prier sans cesse. Et puis, quatrième, non, je pense que je une question sur le monde. Je vais annoncer quand même. Je vais vous montrer l'évangélisation. Oui, je vais venir sur lui. Je vais venir sur l'évangélisation très, très importante sur ces chrétiens. Okay. Et parce que c'est où nous. Ah, à part de quatre ça, bien, l'autre encore nous a pensé, ou bien, ou juste dit ça, c'est quatre. Qui c'est bagaille qui principal nous besoin. Yeah. Nous dit quatre essentiels parce que nous te capons. Nous te capons ce qui a trait à l'édification des chrétiens, ce qui a trait à la persévérance. Ouais, lui déjà dit l'autre bagaille toujours, mais nous prenons quatre essentiels. Ouais, lui quatre essentiels. Sur so, ces quatre grands éléments ailleurs, yes. Et d'abord encore pour Mounio, connaître la parole, ça inclut. Pas seulement qu'on est Jésus, c'est bon Dieu, et puis qu'on est sauvé, mais c'est étudier la parole tant que ça n'a pas fait à là au fur et à mesure pour grandir dans la parole. C'est ça. Tout à fait. Tout et ça veut dire pour et ça veut dire progrès, on grandit dans la parole. Oui, c'est ça. C'est ça. Et deuxièmement, quand on a rappelé mon Dieu, c'était la sanctification, rester dans la sanctification, et puis rester dans la prière, qui est troisièmement, et puis évangélisation. Évangélisation. Très, très bien. Nous encore lancer invitation à auditoire là si vous voulez participer et bien c'est l'heure pour vous d'être participer à partir de ça pasteur Loubert Ali de la première église baptiste de Port-au-Prince en direct qui se présente à nous et n'a pas rappelé au sujet c'est la main chrétienne et mon bilan au regard de la Bible. So, c'est le sujet. Est-ce que quelqu'un qui a quelques commentaires ou bien qui a rien ou avancé avant de continuer? Frère Meristil, allez-y, frère Meristil. Bien, alors, c'est pas une question non, pour qu'on y a là. Étant donné que vous parlez de commentaires, nous avons dit, Pasteur Ali, merci en pile parce que nous avons suivi avec en pile attention. Ce sont très bonnes démarches en ce qui a trait à bilan pour nous dresser dans la fin d'année. C'est vraiment intéressant. Donc, en attendant, nous devons dire merci. Très, très bien. Merci, merci, merci beaucoup. Et très, très bien. Et n'a pas salué l'autre monde, parce que moi, j'ai des monde que, qui paraît là, qui m'a dévoué l'invitation à eux, c'est avec un peu de plaisir que n'a pas dit bienvenue. Et je crois qu'on peut m'en lever parce que nous sommes tous tout petits. Si j'ai l'autre monde avant de continuer, c'est bien aimé Henri. Bien-aimé Henri, allez-y. Bon, je vais dire, nous, excusez-moi, je salue nous tous. Ce n'est pas bien, je vais lever. Nous, je pense que c'est bien, je vais taper off, et puis, quel est on. Non, excusez-moi. OK, all right. OK, OK. Oui, alors, le dessin. Pasteur Ali, oui. Pour chrétien qui naît de nouveau, chrétien qui sauvé, chrétien qui déjà marché dans la sanctification, est-ce que. Marcher n'a pas parlé à la. Est-ce que il y a un rapport avec kembe la foi en Christ? Non. Sanctification, lit toujours par rapport à péché. Sanctification, lit toujours par rapport à péché. C'est une démarche humaine. C'est une démarche qui impliquait l'effort de l'homme. Okay. Et faut l'homme pour ne pas vivre en dehors de la volonté de Dieu. Alors, l'aime marcher ou bien m'aller sur le sujet directement. La marche chrétienne,
marche chrétienne, ça, n'a pas lien, est-ce que ça veut dire timber la foi? Ça veut dire que pas la guerre. Non, puisqu'il est déjà dans la foi. Ok. So, c'est à dire le que... chrétien est déjà dans la foi. Ok. Maintenant, dans la foi, la marche dans la sanctification. Vous voyez? Donc, c'est toute une vie après le fin. Parce que la foi, c'est quoi? La foi, c'est pour recevoir. C'est pour recevoir la vie de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est pour recevoir la vie de Dieu que Jésus a offri. N'est-ce pas? Par sa mort et sa résurrection. Automatiquement que vous fin recevoir la grâce qui bon la vie éternelle, maintenant, il faut que vous marchiez, n'est-ce pas, en nouveauté de vie. Okay. Marcher en, nou de, en nouveauté de vie, il implique directement la sanctification, n'est-ce pas, qui c'est rejet péché. Définitivement. C'est très, très bien. Ok, c'est très, très bien. Alors, ça me tape, je sais qu'on est, est-ce que quand vous chrétien, ça, qui déjà né de nouveau, est-ce qu'il est capable de perdre la foi? Et c'est ça que peut me poser la question, ça, là. Il a perdu la foi. C'est-à-dire que, puisqu'il est de nouveau, il n'a pas perdu la foi, c'est ça. La foi, mon nom, la foi est capable, je ne peux pas dire baisser ou lever, la foi est capable, et comme on a dit, bagay ça. Refroidi. La foi est capable, on a dit refroidi. Ok, mais par puisque ce monde est sauvé, mais déjà, il est sauvé. Est-ce qu'on connaît dans la Bible, il y a des gens qui ont fait naufrage par rapport à la foi, mais qui still était sauvé? Ok. Des gens qui font naufrage. Alors, difficile. C'est difficile alors, hein? Pour les gens de comprendre ça, parce que c'est par la grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. C'est ça qui fait Mando. Est-ce que quand il y a par accident, les gens ont perdu par exemple, foi dans la marche? L'a fait en tant que yon moun ki a viv yon moment, yon moun ki a viv nan yon épreuve ki di pou li. OK? Yon moun ki a viv yon épreuve ki di pou li. OK? Et puis li fléchi, li tombe. Li tombe nan épreuve la. OK? Tombe nan épreuve la, pa vle di li perdu sa li. Mais perdu nan épreuve la vle di li fè naufrage par rapport à la. Fè naufrage. So li toujou gagne le sali parce que lui toujours gagne la foi même si foi le foi parce que s'il pas ta gagne la foi du tout il pas t'absorber parce que c'est pas la grâce naturellement c'est pas le moyen de par le moyen de la okay, foi OK alors nous voulons être toujours dans cadre marche chrétienne alors tu as besoin ouvrir parenthèse ça pour mettre la foi là-dedans pour moi est-ce que gagne moyen tant que pour chrétien tu as complètement perdu la foi pendant qu'ils sont élus. Lui son monde qui sauvait déjà, est-ce qu'il a perdu la foi après ça? Alors, c'est ça. Impossible. Impossible. OK. Parce que il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, hein? Que ceux qui ont été une fois éclairés, goûtés, hein? Soient amenés encore là, repentance. OK, tu comprends très bien. Et le fait que mon nom sont élu et qu'il y a accepté Christ, l'y sauver, toi ça c'est le Saint-Esprit même qui pral balili parce que c'est garanti. C'est garanti. C'est-à-dire que lui-même il fait que accepter Christ et puis le Saint-Esprit même mettait à grandir la foi au fur et à mesure, mais dans faiblesse lui foi 40 ans. Naturellement. Le cas fait naufrage par rapport à la foi dans quelques circonstances. Vous voyez? Dans quelques épreuves que l'on a enduré, que l'on n'a pas qu'à kembe. OK. OK. So, nous mettons la foi en évidence. Où y a là, on a directement dans l'œuvre. Parce que si vous mentionnez marche chrétienne, si on a parlé de marche chrétienne, c'est qui ça chrétien a fait en tant que chrétien, en tant que monde qui a servi? Comment servir, bon Dieu, sous ta vle, aller dans ce sens-là, oui, nous allons directement dans œuvre. Et qui dit œuvre, dit même bagarre avec bilan, ou te parler, dit même bagarre avec inventaire, yo. C'est ça. So, c'est ça. Où n'y a là, est-ce que vous moyen, autre que son site, vous êtes capable de moins, une liste de qui ça ou t'arrêter tout bilan à côté de quatre bagages, ça?
Est-ce que gagne l'autre bagarre ou ta mette dans l'un chrétien? Par exemple, yon chrétien qui gagne un ministère. Ok. Un ministère dans l'église, peu importe ministère. Li gagne droit là dans l'église comme pasteur. Li gagne droit là dans l'église comme docteur. Li gagne droit là comme évangéliste. Est-ce que vous comprenez? Donc, li gagne droit dans l'église à exercer un don. Maintenant, qui ça le fait à don? Ok. Qui ça le comment lui évaluer tête lui par rapport à ça yo mandé pour lui faire OK à partir de don ça bon Dieu bail là OK ou dit maintenant ou ka évaluer tête ou par rapport à don qu'on recevoir dans l'église là ou nan ou chorale ou ap chanter ou ka évaluer tête ou son ministère lié comment évaluer tête ou par rapport à exercice ça que ou a fait dans l'église là. Ou c'est un monde qui kon nettoyer l'église ou. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous faites ça avec négligence? Parce que c'est ministère lié. Ou elle et ou qu'on habitué à participer dans mission. Hein? Dans mission dans l'autre pays. Ou te kon fait ça à un certain moment de façon régulière. Et pour être comme ça ou ralenti ou pas gagner même zèle là encore. Eh bien, maintenant, ou capable d'évaluer tout par rapport à désengagement. Ou elle dit, eu égard à un don ou bien un ministère ou t'as exercé dans l'église. Donc, ou capable ouvrir corps dans la question ça. OK? Ou capable prendre n'importe qui de l'autre bagaille pour mesurer, pour moun nan capable de mesurer. Ou capable prendre n'importe qui bagaille. Ou elle dit? Très bien. Alors, son j'aime te dire qu'on s'en m'a tourné dans l'affaire évangélisation parce que lui, c'est quatre points. Même la caille ou tout. Qui type papa ou yé? Qui type maman ou yé? Est-ce que vous comprenez? Donc, parce que le monde qui pas diriger la caille, bien pas qu'à diriger l'église. Est-ce que vous comprenez? Dit pas qu'à diriger le bien. Donc, on peut évaluer tout par rapport à tout côté où on exerce un ministère et que bon Dieu confie. C'est très bien ça, c'est très très bien. OK, est-ce que gagne l'autre monde qui t'a avancé quelque chose parce que moi pas appelé pour c'est moi avancement qui parlait et moi gagne un autre monde qui censé lever main c'est monsieur Jean Mercil frère Jean Mercil allez-y donc. Et alors on t'a pas ajouté alors tant que Jean-Pasteur t'a dit c'est une liste qui t'a vraiment longue et il prend quelques là-dedans par exemple un petit bail qui vient dans tête là pendant on prend exemple là nous ca évaluer tout par rapport à impact ou fait dans le milieu de travail ou côté parfait donc ça c'est une bagage qui cap ou cap utiliser cap considérer tout oui parce que et ça comme tu dis dans famille tout ouais ou capable parce que le chrétien ou pas quitter chrétien non et ou pas quitter chrétien en côté non et puis pour aller avec un autre bagage l'autre côté non dans travail là ou chrétien la caille là ou chrétien dans l'église là ou chrétien quel que soit ça ou régler n'est-ce pas faut qu'on fait la gloire de Dieu manifester la donne que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre père qui est dans les cieux vos bonnes œuvres même ça ou même ou capable d'évaluer très bien tu as parti de ça dit là ou même ou ka gon liste et puis chaque monde pour examiner tête qui talent gagnant ou bien qui sont gagnant qui t'a servi ou bien qui sont t'a fait pour bon Dieu pour année et pour battel même si c'était aidé au monde vous comprendre ça là parce que tant que frère jamais s'il dit mais si on t'a voulu énumérer qui va les bagaille qui t'a entré dans une liste pour chrétien t'a fait pour là pour t'a examiner tête li pour le connaître est-ce que il était passé en année 2023 côté il t'a fier d'être chrétien vous comprenez donc c'est que chaque monde garder pour est-ce que on peut faire ça est-ce que on pas ta droit faire ça c'est-à-dire que ou tout invité là tout si que n'importe bagaille pas fait 2023 qui t'a censé rater ou tout dit que pour ça pas arriver 2024 naturellement ami Dori. Définitivement. Et c'est question ça, oui. C'est question ça pour vous, c'est next question. Parce qu'on parlait de quatre grands points et on parlait de évangélisation. Fonti, pour une seconde. Pour évangélisation, est-ce qu'on t'a considéré un chrétien qui passait toute année
li pa jam parle yon moun de Jésus ou bien le pa mene pièce moun à la conversion. Est-ce que tu as considéré moun sa son moun qui échoué pour année 2023? Et bah pour moi, si m'te gon l'autre mot pour m'te dit, et li m'te dit. Parce que c'est mission fondamentale chrétien. C'est mission fondamentale chrétien pour lui aller chercher l'autre yo. Pour lui pour bon Dieu. Donc ou pas capable négliger ministère fondamental, ministère qui premier ministère que bon Dieu rele pour lui. Ou pas capable négliger. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est pas rien qui est parce que bon Dieu Jésus-Christ dit est-ce que vous connaissez prier un homme? Hein? Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Donc c'est un bagage qui est fondamental. N'est-ce pas ce travail chrétien même à le chercher, monde pour nous augmenter le royaume là. Ouais dit ou pas qu'à négliger. Donc pour moi, c'est un monde qui fait zéro. Vous comprenez? C'est un monde qui fait zéro. C'est seul bagage pour un monde pas essayer négliger à chercher un homme pour Seigneur. Vous voyez? Et c'est ça que moi prends exemple à Paul là. L'autre exemple de capable prendre, moi prends exemple à Paul là qui a défoncé pour le prendre quand même un monde pour mon Dieu. Il dit si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais la nécessité m'en est imposée. Il pas dit et m'en est imposé et malheur à moi. Ouais ça mon attiré sous tête lui, malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Donc si nous tenions compte de parole Paul là, eh bien, nous ta capable dire malheur à moi si me pas annoncer l'évangile. Parce que c'est raison ça pour lui même moi sauvé. C'est ça même. Me sauver pour me capable travailler pour salir l'autre monde. Et c'est ça son ordonnance tout parce que lui dit allez faites de toutes les nations des disciples baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire que depuis que chrétien, ça a son job même. Sous ta ouais, tant qu'une année a passé, ou pas fait un an du tout dans ça, eh bien, ça c'est raté mission. C'est à le relancer ou c'est comme d'adou, c'est reformater ou. Définitivement, et n'a pas eu jamais eu qui le veut même. Alors nous sommes d'accord avec l'approche là dans le sens que si moun nan li conscient vraiment qu'il pas faire rien mais quelquefois tout m'a demandé est-ce que forcément résultat li capable immédiat ou du moins est-ce que li capable vraiment au courant de résultat m'a point exemple simple par exemple dit cap à partir de comportement seulement sans que moi non milieu côté moi gagner m'étais quand même dit impossibilité alors m'exagérer oui mais m'utiliser pour montrer non jusqu'à dans quel niveau m'ai impossibilité pour me parler à moi directement mais action moi yo comportement moi yo prêcher pour moi et puis moun nan plus se connaît c'est un chrétien et puis finalement il gon repentance moi même connaît s'il repentit s'il prend Jésus donc c'est-à-dire évaluation. Pour moi, ce n'est pas tout le nom, il est facile, il est évident que je suis capable qu'on ait un résultat. Est-ce que ça, ce n'est pas un cas de figure que nous avons considéré? Bon, moi, effectivement, comportement, vous voyez un message aller. Mais qui message vous voyez aller? Vous voyez un message de sanctification aller. OK? Comportement, parce que c'est chrétien, ou converti, maintenant, ou respecté parole de bon Dieu, ou mener une vie, n'est-ce pas? Que moun nan capable éclairer mais c'est comportement li voye un message mais c'est un message de sanctification. Message salut a c'est autre chose. Le message du salut. Apôtre Paul dit comment y a fait quoi pour yo sauver si yo pa tande. Pour moun nan sauver faut gon semence qui tombe dans cœur. Et faut réagir par rapport à semence ça. Semence là pour tomber dans cœur là, c'est l'évangile. C'est seul l'évangile qui est capable de transformer monde, c'est seul l'évangile qui est capable bailler la vie éternelle, faut prêcher l'évangile là. Prêcher l'évangile là, l'audible, faut monde entendre.
C'est ça le temps de capoter dans lequel et c'est une réponse de foi que le diable pour recevoir ça le temps de. Et c'est ça qui a fait mon sauver. Effectivement, nous dit les grands messages que les joignent à travers le comportement dans l'esprit de la connaissance son chrétien, mais le pas contre qui ça pour chrétien, ces messages là pour joindre tout lui-même. C'est vrai li ouais comportement, n'est-ce pas? Li ouais comportement ou son monde moral, c'est bien, n'est-ce pas? Ou voyez pour lui un message de sanctification qui dit l'ovine chrétien même gens avec c'est pour mener vie ça à tout. Donc son message quand même lié pour lui, mais c'est pour prêcher l'évangile là. C'est pour dire Jésus t'est mort, Jésus t'est ressuscité, moi t'est accepté dans la vie, moi sauvé, ou même tout pour capable sauver pour que la vie éternelle là. Faut accepter qu'elle était mourue pour vous tout. Mes messages là. Faut le bail message là quand même. Très très bien. Il y a pas de message là. Yeah. De tout ça nous dit là et moi remarqué que un paquet de façons pour évangéliser à partir de ça on dit ensemble avec Père Méristile là là un paquet de moyens. Même s'il parlait de comportement sans ne pas parler du tout ou même ou d'action etc. Et semble être bien l'autre. Qui me pose une question sur toujours façon pour et participer dans l'évangélisation. Est-ce qu'on pense le fait que yon moun ta recevoir vidéo ça on a poué sur YouTube là. Et puis moun sa ta voyer le bail l'autre moun c'est-à-dire que distribuer le bail l'autre moun c'est une façon tout li participer dans travail d'évangélisation à faire bien sûr bien sûr l'on fin prêcher sous gon audio ouvrir bail au moun wali si en vidéo arrivé jeune au moun et que nous t'ai expliqué le message du salut et mon en recevoir lui, il ca converti comme ça. Waouh. C'est-à-dire que mon n'a pas rendre compte qu'ils font gros travail même genre avec prédicateur. Donc mon qui besoin, il est bon. Oui, alors ma petite on l'autre monde passer si ou gain parce que nous va finir tout à l'heure, c'est chance pour un monde qui pour parler, t'as parlé. C'était moi même qui t'ai levé même frère Henri. Frère Henri, on parler oui. Bon de bénir, Pasteur Libert, bon de bénir tout le monde qui l'a. Mon l'offre encore moi, je vous remercie de faire une bonne possibilité pour que moi participe dans le bel travail que vous fait là. Pasteur Libert, le monde qui a lit Hébreu 6, on commence dans verset 4 là. Bon, pendant qu'on a parlé là, pour appeler, moi je juste dans verset 18, 19. Mm-hmm. Est-ce que le parent qui classe dit différent par rapport à ça ou tu commences à dire sur question sauvée? Si vous voulez me faire une intervention sur la sécurité éternelle du croyant, c'est laisse-moi me détailler avec ça. Alors, Je vais vous dire un bagage clair. Je vais vous dire rapidement. Et l'épître aux Hébreux, il adresse à trois, il y a trois audiences là-dedans. L'épître aux Hébreux. Il y a des gens qui convertis, juifs qui convertis au christianisme. Il y a des juifs qui étaient sur le point, n'est-ce pas, pour être convertis. Et il y a des juifs, n'est-ce pas, qui voulaient retourner. Hein, qui voulaient retourner dans le judaïsme. Maintenant, l'on regarde l'épître aux Hébreux. Après, il a parlé de inconvertis, il a parlé de incrédules. Ou bien de désobéissant. Elle a parlé de chrétien yo, il parlait de obéissant. Ouali? Maintenant il dit comme ça que il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté au don céleste, etc. Donc certainement l'a parlé de chrétien. Ouali? L'a parlé de chrétien. Mais regardez fin texte en vrai, il dit comme ça que il est impossible pour que l'y amener à nouveau. Ça veut dire que tu as supposé gagner un autre sacrifice pour lui. Tu as supposé gagner un autre sacrifice. Pas bien que pour lui. Et c'est ça que je me dis, est-ce qu'il va différent par rapport à ce que tu as commencé à dire? Non, au contraire. Alors, venez avec moi exactement. Qui ça, il t'a dit avant que tu as un autre bagage? Non, Pasteur Liberté dit que il est impossible, tu as fini de poser la question, il est impossible pour tu as perdu foi. Faut-il bien que Christ. Faut-il bien Christ a remouri pour lui, mais ça est impossible. Vous comprenez, mais dans verset, il dit le monde a fin participer dans tout bienfait éternel ça yo, il vient participer dans tout ça cet esprit a fait dans la vie au monde et puis pour monde ça ta vivre d'ol, il est impossible pour monde ça retourner et comme si monde ça supposé tuer Jésus encore si m'ta perdu dans beau créole,
Et ça, je pose une question, mon Dieu, est-ce que pas différent par rapport, on n'a pas qu'à perdre la foi si m'a appelé verset à comme ça. Oui, c'est impossible, il n'a pas qu'à perdre la foi. Oui, yeah, mais parce que pour... dit qu'il n'a pas qu'à perdre la foi, oui. Et ça me dit, nous n'avons pas qu'à affaiblir. Mais pas perdre pour le qui était dans ta vie. Oui, ce n'est pas la grâce qui nous a sauvé par les moyens de la foi. Ça veut dire que c'est que nous avons la foi et ça va être la foi de l'esprit. Nous regrettons, nous avons le même point hein, que nous n'avons pas jamais perdu la foi totalement s'il t'est sauvé tout bon. Parce que c'est par la grâce, par le moyen de la foi. Il doit lâcher dans une épreuve. J'aime tout le monde qui doit faire naufrage par rapport à la foi. Il lâche dans une épreuve, mais il ne va pas perdre sa vie. Il va perdre ni sa vie, ni la foi. La foi, non, la, non. C'est la ça. Foi toujours là. C'est ça. La foi toujours. Alors, il m'a dit, ah, mon n'avez qu'à commencer, après ça, où elle chute. Non, c'est que mon n'a pas de jam là. Il va de jam là. Dites. On va ça. Alors, par contre, est-ce que mon dernier. On dit ni bagay, on mon taka. On devait faire mes s'il levait, mais tout. S'il y a un mot. Yeah. Alors, c'est clôture nous voilà. Mais là, si il y a un dernier point, premier s'il vous plaît, après ça, pasteur Loubert a fait conclusion pour nous. Alors, si il y a un autre monde qui a une question, puisque nous voilà fini, c'est toujours même intervention. Non, oui, nous avons les anticras dans l'autre. Plus profond. Il y a plus profond parce que pas un problème avec les gens, pasteur, là. Répondre, même senti que l'aspect que vous voulez toucher, hein. Il n'est pas forcément à bord délivré, même d'accord avec le pasteur là, parce que parole, il faut qu'on baille parole là, il faut qu'il tende. Alors, moi, je suis allé dans le cas, nous admettre que, par exemple, mon entendant situation, même dans l'impossibilité pour le parler, par exemple, il faut qu'on traite, mais quand même, comportement, il livre un message. Nous d'accord, vous voyez un message, mais pas oublier, message après son travail. Et ce que nous n'avons pas en mesure pour même évaluer le travail qui peut le faire, là. Alors c'est l'hypothèse que nous avons fait, oui. Et admettons que tu as pris algun travail qui peut le faire, moi-même pas même en mesure pour m'évaluer. Comportement, bon message en parlant de travail dans mon nom, c'est à partir du message moi, qu'on y a ça qui arrive, que là, le réfléchir en profondeur de ça que Jésus a. Là, le temps de plus, et puis il vient arriver avec un salut. Est-ce que moi, je ne peux pas contribuer? Tout compter. Je ne peux pas contribuer là. Tout ça dit là, au compter. Ça, quand même, de retourner sur le diable. Yes, il compte. Ou pas forcément besoin de jouer un résultat tout de suite. Résultat, c'est dans 2 ans, c'est dans 3 ans. Ou elle dit, mais ou faire ou pas ou même dans un genre capable là, mais bon Dieu, pour le renforcer pour mon nom capable, tendez ça pour le tendre. C'est ça, même. Mais tout, si même tout gagne. Yeah, naturellement. Ou si mes gars, et c'est yeah. Ça, dans l'évangélisation bien apprêché, ou pas forcément pour réussir ces formes qu'on a converti. C'est pas même le. De pour faire travail, c'est le Saint-Esprit qu'on a qui pour convaincre mon nom. C'est bon, elle vient de mes amis, il n'y a pas facile, il y a un monde Satan m'a recueilli, ou pas d'accord avec Chita pour dire mon nom sauvé, Jésus Rémo, etc. Et puis pour mon nom converti, nous. Définitivement. C'est en pile discussion, tout. C'est en pile discussion des fois qu'on gagne avant mon et converti. Et définitivement, c'est sous point ça, parce que Loubert n'a pas campé. N'a pas passé Loubert, Nico encore pour le faire conclusion, et puis pour mon nom aller. Je dis merci à tout le monde qui était intéressé par l'étude là. Et qui t'étendait, qui réagit. Donc, moi, dis nous merci. Et moun qui pas tendait, moun qui tendait ou qui pas réagit, tout moi, dis nous merci parce que et, ça veut dire que nous t'es bien comprendre. Si nous pas poser des questions, c'est que nous t'es bien comprendre, n'est-ce pas, que l'étude d'intervention est très simple. Et en plus, m'a dit non pas oublier que la parole de Dieu, la Bible, n'est-ce pas, c'est l'aune avec lui-même, nous capables. Mesurer comportement nous, n'est-ce pas, dans la marche chrétienne. Donc, nous, aujourd'hui, il y a 4 éléments fondamentaux, mais il y a un pile l'autre que nous sommes capables de prendre et puis nous mesurer tête nous à partir de eux. Aujourd'hui, la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, faut que nous grandissions, n'est-ce pas, faut que nous grandissions dans la connaissance, nous avons la sanctification, faut nous faire effort pour nous rejeter tout ça qui parle de la volonté, mon Dieu. Nous avons la prière, il faut nous mener une vie de prière pour nous capables d'assurer la victoire, nous n'avons pas de problème, d'être chargés. Et surtout, il faut que nous soyons capables d'engager nous dans la passion des âmes, dans l'évangélisation des personnes. Donc, c'est un plaisir que nous avons fait un rappel ça pour nous et que maintenant nous sommes capables de mesurer, n'est-ce pas, comportement nous, mesurer marche chrétienne nous pendant
fin 2023 pour que nous assurions que nous pourrions aller sur une meilleure pente, mes frères et mes soeurs bien-aimés, en 2024. Et me profiter pour me dire à nous tous qui t'étendent et qui continuent à attendre là, je ne vais pas dire joyeux Noël, mais va dire nous bonne année dans le Seigneur. Que bon Dieu permette que nous prospérions, n'est-ce pas, à tous égards, gens qui nomment nous en Jésus-Christ à prospérer. Que bon Dieu bénisse. Merci, très bien. Nous pouvons peut-être parler de parole. Nous pouvons essayer la fin, Pasteur Loubert, et tout le monde capable d'examiner tête pour voir qui ça dans quatre grands points ça yo, avec l'autre, yo terraté. Sous terraté, ce n'est pas la fin du monde. 2024, tout ça terraté, rattrapé, et puis mettez plus sur yo parce que, en tant que chrétien, nous sommes des appelés, des mondes qui là pour produire des œuvres. À profil sauvé, faut ou produit des œuvres, faut qu'on marche selon le Seigneur, faut qu'on vive l'évangile là. C'est très très bien, Pasteur Loubert, ensemble avec tout l'autre monde qui était censé participer, ensemble avec nous. Nous aimons ça parce que c'est là nous venons faire ça, c'est un dialogue. Sujet, c'était la marche chrétienne et mon bilan au regard de la Bible. N'abaye tout le monde. Rendez-vous samedi, si Dieu veut, pour un autre présentateur avec un autre sujet. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse.